Good morning, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui les Le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal, Rosette Bat Machlouf Eve Sultana et Maurice Moshe Ben Machlouf et Sultana, si vous souhaitez aussi une prochaine Le Nishmat à contacter la 5e minute éternelle. Nous étions à Sretsuka, Perek Dalet Mishnatet. Nisoucham Maim Keitzad, Tzlochit Shel Zahav, Marzeket Shloshet Lugim, Ayam Emalem Ina Shiloach, Igio Le Shahar Maim Taku Veru Vetaku, Alava Kepesh, ופנה לשמאלו, שני ספלים של כסף היו שם, ופור לממן, אני מארט לה, פסקון, אני לא יודע אם יש לה, זה לא משהו כלי לרפור, אין? יש סון, כמו זה אקספיקה. ניסוח המים כיצד. ובוא אפלי, עונה ודן לו, דלה פרמייר משנה, עונה ולולה וערבה, שישה ושבעה, עונה ואפרי, הלל ושמחה, שמונה, סוכה, וניסוח המים, שבעה. סוכה זה דוד. Donc chaque mitzvah de Sukkot, combien de jours on doit, elle sera en vigueur. Et donc on a vu que le Nisuch HaMaim, il doit être accompli durant les 7 jours. Même quand il va y avoir Shabbat, en plein milieu, durant la Moed, tu devras accomplir la mitzvah de Nisuch HaMaim, comme ce qu'on verra plus précisément dans la prochaine Mishnah, pour comment ça se passe quand ça tombe à Shabbat. Mais d'abord, on va t'expliquer c'est quoi la mitzvah de Nisuch HaMaim, parce qu'on n'en a pas parlé dans toute Maseret Sukkah. Donc, Keitzad, comment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment? Tzlochit shel zahav. On avait une cruche en or. Marzeket shloshet lugin. Qui contenait trois logs. Un log, c'est l'équivalent, on a déjà dit, on faisait menachot. Un log, c'est une canette de coca. 330 centilitres, millilitres, plus ou moins. 328, je crois exactement. Une canette. Et donc, trois logs. Ayam emalem minashiloach. Il partait remplir cet ustensile, donc cette cruche en or. Il allait la remplir depuis le Shiloach. Shiloach, c'était une source qui était à proximité du Beth Amikdash. On verra très longuement, dans le dernier période de Souka, on apprendra toute la mitzvah de Beth Hashoeva, on a tous les détails sur cette mitzvah, comment est-ce qu'il fallait la réaliser. Et donc, il fallait donc prendre cette cruche et partir la remplir dans à la source de Shiloach. Igui ou le Shahar HaMaim. Maintenant, il partait, il revenait, on expliquera ensuite dans le 5e péri comment il fallait tout le procéder pour pouvoir partir et pour venir. Mais on s'intéresse quand il rentre dans le Igui ou le Shahar HaMaim. Une fois qu'il revient avec la cruche, il arrive au Shahar HaMaim, une des 6 ou 8 portes, une des 9 portes, je crois plutôt, 13 si on rajoute les deux. Et il y avait bon, une des portes, concrètement, de la Hazara. Il entrait dans une des portes qui s'appelait le Shahar HaMaim, le portail de l'eau, où justement on arrivait avec cette eau-là. Et là-bas, il s'arrêtait à l'entrée, Taku, Veriu, Vetaku. On sonnait du chauffard en guise de Simcha. Et après, il entrait dans le Shahar HaMaim. Je rappelle les directions, on a toujours le Maharav, le Kodesh HaKodashim, en face, au Maharav. Donc on a le Tsafon, le Nord à droite, et le et le Darom, le sud, à gauche. Le Shahar HaMaim, il est au sud, il entre par là-bas, et directement, il va monter, alors, apparemment, c'est écrit directement, sans interruption, directement, il arrive, et puis, Taku, Veriu, donc il arrive, on sonne du chauffard, et puis, Alaba Kevesh, commence à monter sur le Kevesh, sur la rampe du Mizbeach, et une fois qu'il arrive tout en haut, ou Panal Ismolo, il tourne à gauche. En général, on tourne toujours à droite, on fait le tour par la droite, là, spécialement, il va aller sur sa gauche. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Shnei sfalim shel kesef ayusham. Il y avait là-bas deux sefel, de seaux, de récipients qui étaient en argent, qui se trouvaient là-bas. On va voir qu'il va devoir les verser dedans. On expliquera ensuite comment. Pour le moment, on fait une petite pause parce que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Tu m'as dit qu'ils étaient les deux récipients étaient en argent. C'est pas vrai. Rabbi Yehuda Omer shel sid ayu. Selon Rabbi Yehuda, ils étaient en cid, en chaud, en, comment dire, en de la chaux, d'accord, et en plâtre, enfin, c'est le même, et ils étaient donc en cid, seulement quoi, alors pourquoi tu penses qu'ils étaient en argent? C'est pas vrai, parce que, en fait, ils étaient noircis par le vin qu'on avait l'habitude de verser, d'accord, là-bas, en fait, dans ces deux, concrètement, lorsqu'on monte sur le Kevesh, donc on monte par le Darom, et là-bas, il y a dans le coin, il y a là-bas,
de sur le en plein dans le misbar, si vous voyez une photo du misbar, c'est regarde en plein de chias, tout ça, vous verrez là-bas qu'il y a deux trous dans le coin, comme deux narines. Ça va être comparé avec des narines justement, où là-bas, tous les jours de l'année, on versait là-bas les oblations de vin. Le Nisuch HaYayin. Aujourd'hui, à Sukkot, il fallait faire cette oblation d'eau, verser de l'eau. Donc dans un, on allait verser de l'eau, dans l'autre, on allait verser le vin, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, marloquette, est-ce qu'ils étaient en argent ou est-ce qu'ils étaient plutôt en plâtre? Et là, chez Mouchrarim, Penehem, ils étaient noircis par le fait qu'on avait versé du vin durant toute l'année. Ok? Ou Menukavin Kemin Shnei Chotamin Dakin. Maintenant, c'était deux récipients, mais où il y avait tout au fond un petit trou. Shnei Chotamim Dakin, deux petites narines fines. Chotam, c'est les narines. Echad Me'oube ve'Echad Dak. Un qui était plus épais que l'autre. Pourquoi? Kedei Sheyu Shneien Kalin Bevatachat. Afin que les deux finissent de s'écouler en même temps. Soit parce qu'en fait, il fallait verser aussi un, il fallait verser donc trois logs d'eau et trois logs de vin, parce on a fait des corbanotes, il fallait verser le vin. Et en fait, on voulait que les deux se finissent en même temps. Maintenant, l'eau, elle est beaucoup plus fluide que le vin. Donc du coup, il y en avait un qui était plus épais que l'autre, comme ça, les deux dégoulinent en même temps. Maintenant, il y avait deux trous. Donc on est monté par le sud, on a tourné à gauche, il y a deux trous, un qui se trouve comme ça sur le coin du Mizbéar, un plus vers le Maharav, vers l'ouest. Et un qui est plus vers le Mizrah, vers l'est. D'accord? Donc la Mishnah me précise, les deux trous, sache qu'il fallait Maharavi Shenmaim, Mizrahi Shelyain. Celui qui était à gauche, donc qui était en direction du Kodesh HaKodashim, qui était vers le Maharav, vers l'ouest, c'était là-bas où tu devais verser l'eau. Et Mizrahi Shelyain est celui de la droite, vers l'est, il fallait verser le vin dedans. Et ensuite, la Mishnah continue en disant, Era, maintenant, sache que bon, c'est a priori, tu mets chacun à sa place. Mais si jamais, Era Shelmaim, les Tor Shelyain, les Shelyain, les Tor Shelmaim, Yatsa. Si toutefois tu les as inversés, tu as versé le celui du vin dans l'eau, celui de l'eau dans le vin, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Ok? Avant-dernière partie de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Omer, Belog Ayamenaser Kol Shmona. Rabbi Yehuda, il a une double discussion. Il nous dit tout d'abord, il fallait verser avec un log, pas trois logs, pas un ustensile qui contient trois logs, trois canettes de coca, mais un seul log. C'était ça la quantité de l'eau qu'il fallait. Uniquement un log d'eau. Et toi, tu as dit qu'il fallait le faire pendant 7 jours, on faisait cette misa. Moi, je te dis qu'il fallait le faire pendant 8 jours. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda. On ne faisait que 7 jours. Et voilà. Vela menaser chomrim lo. Maintenant, autre halakha, la Torah nous précise, la Gemara de Mishnah nous précise que à celui qui faisait le nisour, qui faisait l'oblation, on lui disait Agbea yadecha, lève bien la main. Ne te rapproche pas comme ça du coin, tu verses timidement. Non. Prends-le et montre-nous comment tu verses bien devant tout le monde, que tout le monde te voie. Pourquoi est-ce qu'il a fallu le faire? Il a fallu agir de la sorte. Parce que je sais pas, machat, nisser echad al gabe raglav. Une fois, il y en a eu un, hein, qu'en fait, il a versé l'eau sur ses pieds, il n'a pas voulu le mettre dans le trou. Pourquoi? On va expliquer tout de suite. Mais regardez la réaction d'abord. Urgamu kolam betrugen. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à comprendre qu'il avait versé l'eau sur lui, ils l'ont lapidé avec leur etrog. Chacun, c'était l'heure où on faisait le nisour même le matin, quand on avait encore l'etrog en main. Quand on a réalisé qu'il avait versé l'eau par terre, chacun a pris son étrog et il lui a jeté en plein dessus. La Mishnah ni la Gemara ne précise pas est-ce qu'il a juste reçu un mauvais coup, est-ce qu'il en est mort, est-ce qu'il est tombé depuis là-haut. C'est juste que la Gemara précise qu'il y a eu le misber qui a pris un coup avec un étrog et le trog a eu une pierre du misber, un coin du misber qui était chasser le misber et on ne pouvait plus continuer à faire des corbanotes pour la journée. Pendant ce temps, on a bouché le misber avec une pierre de sel. Maintenant, je reviens sur l'histoire. C'est pas l'histoire qu'il a voulu lui verser l'eau par terre. L'eau par terre, c'est très simple. On souffre depuis toujours de types de gens pareils. Les tzdokim et les baitosim, les gens qui contestent la loi orale, la Torah orale. C'est un défaut des sadducéens, les tzdokim. Pendant longtemps, pendant des années, même à l'époque du Rambam, ça continue encore. Aujourd'hui, relativement moins. Malheureusement, on a d'autres phénomènes. D'autres animaux qui dans le peuple d'Israël qui nous font des carnages. En tout cas, à leur époque, c'était les Tzedokim. Ils contestaient toutes les halakhot qui n'étaient pas explicites dans la Torah. Ils faisaient ce qui était écrit dans la Torah, mais pas ce que Chamaïm m'a expliqué. Nisur Chamaïm, ce n'est pas écrit nulle part. C'est que par transmission depuis Moshe Rabbeinu, l'halakha de Moshe Sinaï. Du coup, ils contestaient cette halakha. Et maintenant, c'était fréquent. Attention, ils étaient bien placés. Il y en avait qui étaient Kohanim. Ils partaient au Beth Amikdash et en cachette, ils faisaient en sorte qu'on. C'était des grands tzadikim à leurs yeux. Ils faisaient ce qui est écrit dans la Torah, et sûrement pas ce que les Israël ont,
ont inventé de leur propre tête. Donc du coup, quand il a fallu faire le Nisra Maïm, il était très content, il a pris le verre, il a monté là-haut, puis en fait, il a versé par terre parce qu'il ne voulait pas, Chas v'shalom, d'après son avis, transgresser sa Torah, sa Torah inventée par ses courants d'esprit, de ses courants un peu originaux. Donc, il avait versé l'eau par terre, et donc quand le peuple d'Israël, les gens qui étaient présents, ont réalisé qu'ils s'étaient moqués d'eux, ils l'ont tout de suite lapidé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.